Salut YouTube, aujourd'hui, découverte de la démo de Hellseed. Hellseed, j'en ai pas entendu parler par grand monde, par contre j'ai vu quelques minutes de gameplay et je peux vous dire que ce soir, on va chier dessus. Et ça tombe bien, c'est le but. Tu es cohérente. Seulement tu es, tu resteras une connasse. Merci beaucoup Caporal pour les 100 bits. Installez-vous, c'est la démo du jeu. C'est un jeu fait par Profenix Studio, un studio italien. Figurez-vous, première fois que je crois que je joue à un jeu d'horreur italien. Le chat est chaud, le chat est tendu. Comme vous voyez, la musique est tendue aussi. La démo dure entre 30 minutes et 1 heure. On va voir avec notre skill légendaire si on peut étirer ça sur 1 heure et demie, 2 heures. Ah mais juste écouter la musique quoi. On est parti. Hellseed. La vie d'un police, d'un inspecteur de police n'est pas la plus facile. Je n'ai jamais eu de famille par exemple. Il y a trop de dangers, il y a trop de travail, il n'y a pas de place pour les émotions. Cependant, if she hadn't go mad. Ouais, bref. Il y a des jours... Quoi ? Il y a des jours où mon sphincter est bien fermé parce que c'est difficile, ok ? Aujourd'hui, je pense que c'est l'un de ces jours. J'ai reçu ce matin un appel de la clinique de San Tommaso, du docteur de Santis, un des plus grands psychiatres de la ville, est manquant. Il a disparu sans aucune trace. Je dois me diriger vers sa maison, son appartement, et enquêter sur sa disparition. Voilà en gros ce qui est marqué. Je suis pas venu ici pour souffrir. Je pense que ce soir, que ce soit vous sur le chat ou vous sur YouTube, vous êtes venu pour souffrir. Je vous le dis tout de suite. J'ai reçu. Non, mais c'est le stress. Calmez-vous. C'est le stress des examens. J'espère que j'ai pas fait de la merde à venir ici tout seul. Merci Blue Devil. Trouver le panneau électrique. Ouais, bonjour. Ouais, bonjour. C'est ici la moyenne? Ça rame ou pas, chat? Attendez. Parce que moi, j'ai que 40 FPS. Laissez-moi regarder. C'est pas grave, YouTube, ils avanceront. Performance. Non, je suis bien. Putain, il prend 45% de mon pros. Ok. Ça rame pas? Ok. Ok. J'ai besoin de quelque chose pour atteindre le top de l'armoire. Ok. Bonjour. Ok, c'est fermé. Alors, je joue clavier souris. Hein. On peut jouer manette. Mais je trouve que manette, les déplacements sont trop chiants. Oh, on peut se cacher. Alors ça, déjà, non. Non. Se cacher, je trouve pas ça bien, moi. Ça veut dire qu'on va se faire, poursuivre. Oh, tu as maquillé à la fin. Alors, la caméra est vachement lente, je trouve. Ok. J'ai pas encore ouvert tous les placards. Ok. Oui, mais pour l'instant, je veux pas ouvrir un placard. Pour l'instant, je veux trouver le panneau électrique. Fermé. Ok. C'est fermé, il me faut une clé. Ok. L'étage peut-être. Ah bah non, mais panneau électrique, c'est forcément sous-sol. Et c'est fermé. On a de la vie. On n'a pas d'armes. Hein. On a un inspecteur de police sans armes. Au top. On entend des mouches. Putain, mais tout est fermé. Qui ferme toutes ces portes chez lui, là? Non, je veux pas me cacher. Banana, t'as l'air en forme ce soir. Et bizarrement, je pense que ça va me... Merci beaucoup, en tout cas, pour les 86 bits et 36 bits. Ah ouais, là, c'est fermé aussi. Ok, on n'a pas d'inventaire. Je suis en train de regarder. Non. Espace. Shift. Non. Ok.
Donc là, c'est d'où je viens. Bah, attendez, mais le panneau électrique, il est censé être à l'entrée ou à la cave, quelque chose, hein. Tout est fermé. Contrôle gauche. Ah oui, contrôle gauche, ok. Bah, c'est bizarre, hein. Les touches sont bizarres. Ok. Ok, on peut se cacher ici. Bah, j'imagine que tout est fermé, qu'on doit fouiller les... Ok, on doit fouiller les... Comment t'appelles ça? Les placards. La poussière, t'as vu ça? Il y a masse de poussière. Hein. Ok. Eh ben écoutez, on est parti pour foufouille. Bonjour. Ok. Les touches sont bizarres, voyez? Ouais, je sais pas. Back, c'est contrôle. Il y a eu un bruit. Qu'est-ce qu'on a ici? Carte d'identité. Donc on est bien, c'est Angelo De Santis. Il est né en 1925. Ok. Comment je me casse d'ici? Lève contrôle? Mais ça me... Ouais. C'est bizarre. Des clopes. J'aimerais bien une clope. Bon bah écoutez, on va fouiller. Les clopes, t'es safe, ton stress est assuré. Ouais, c'est ça. Ouais. Je reconnais les noms si présents dans la famille de mon mari. Merde! Ok, y a rien. Est-ce qu'on peut se baisser? Avec C, ok. Ça, j'ai ouvert. C'est bloqué. Peut-être je peux l'ouvrir si j'essaye encore. Ok, donc c'était juste bloqué. Il suffisait de le faire plusieurs fois. Mais il n'y a rien dedans. Ok. Il n'y a rien dedans. Ok. Il y a une porte que j'ai pas vue. De l'acide. Acide muratique. Bah vas-y, je vais prendre. Pourquoi je peux pas le prendre? Je peux pas le prendre! C'est quoi ce jeu là? Space. Space for back. Ok. Je peux pas le prendre. Non mais je sais, je suis en train de bourriner le bouton E, hein. Mais je peux pas le prendre. Peut-être qu'on en a pas besoin maintenant. Je sais pas. Je pense que c'est un bug, ouais. Où c'est que j'ai pas fouillé? Là, j'ai pas fouillé, non? Merde. Comment je cours? Là. Évidemment, c'est fermé. Attendez, là, j'ai pas fouillé. Là, il y a rien. Mais ouvrir les placards avec eux, je trouve ça trop bizarre déjà. Ils auraient pas pu mettre un clic-souris, quelque chose? Là, c'est fermé. Ah bah attendez, y a rien. J'ai accès à rien. J'ai accès à rien du tout. Non mais manette, en fait, manette, ce que j'aime pas, c'est que en fait, manette pour bouger la vue, c'est comme ça, regarde. C'est super lent. Déjà, la souris, c'est lent. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Là-dedans, là. Non? Et qu'est-ce que j'ai pas vu? Qu'est-ce que c'est ça? Un chandelier. Il y a un truc dedans. Non? Auto, il y a rien derrière. Vois pas ce que je loupe, hein? Pour vous dire, j'ai fait les 10 premières minutes, je me souviens même plus de ce qu'il faut faire. Là, il y a pas un truc? Téléphone. Ah, téléphone. Ok. Ok. Il y avait Jésus, ouais. La musique qui tourne en boucle qui dure 30 secondes. Et non, il n'y a rien dedans. J'ai besoin de quelque chose pour aller tout en haut. Pourquoi il y a quoi en haut? Attendez, chat. Je l'ai fait, je l'ai déjà fait cette partie, je me souviens plus.
Une échelle? Bah, je sais pas. Qu'est-ce que j'ai loupé? Qu'est-ce que j'ai loupé? Jésus, Jésus, Jésus. Ah non, mais là, il y avait rien. Il y avait même pas de placard. On pouvait juste se cacher. Get out! Le pot de fleurs, il est chelou. Il y a un truc. Non, mais qui a des photos comme ça chez lui, quoi? La chaise? La chaise! C'est vrai qu'elle est. Elle est bizarre. Non. Ils ont dit le panneau électrique. Moi, je suis désolé, un panneau électrique, c'est pas à l'étage, hein. Mais le problème, c'est que toutes les portes sont fermées par un cadenas ou par autre chose. Attendez, là, je peux pas sortir. Attendez, ça se trouve, il y a une clé qu'on n'a pas vue, qui est posée tranquille quelque part. Sur le canapé. Non. On va trouver! On va trouver. Il me faut quelque chose pour monter. Là. Non? Ok. La veste, je peux pas fouiller. Ça, je peux pas fouiller. Il y a eu un signe vers le vase. Ouais, le vase, je peux le prendre, ouais. Mais il n'y a rien dedans, en fait. Là, y a rien. Jésus? Non. Téléphone, je peux rien faire. Alors, de mémoire, il y a quelqu'un qui m'appelait sur le téléphone. Mais je sais plus ce que j'avais fait. Dans la plante, là, y a rien. Non, y a rien du tout. C'est plus ce que j'avais fait pour le trigger, en fait. Je les connais ces cadenas là, DSP. Ça, c'est du solide, ça. On va pas y arriver à l'ouvrir. Hein. Oh, attendez, c'est moi ou l'interrupteur, il est super bas. Ah, c'est peut-être un nain, hein. On sait pas. Hein. Allons-y, point par point, ok. Regardons tout. La plante, y a rien. Là, on peut pas se cacher. Là, c'est fermé. Là aussi. Ok? Ok, non, non, calmez-vous, calmez-vous. Regardez, regardez. On va trouver, regardez. Préparez-vous. On va s'accroupir. Ok, ici, il n'y a rien. Ici, il n'y a absolument rien. Oui, 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 oui. Ici, il n'y a rien. On va faire ça étape par étape. Oh! Putain, on pouvait prendre la boîte. Ok, on peut prendre la boîte. Ok, on a une boîte. Cette boîte-là, là, comment je regarde? Examiner. Ok. On peut ouvrir la boîte. Les touches sont trop bizarres. Il y a une clé! Ok, la clé de la cuisine. Easy. Non, mais voyez, easy. Easy, easy. Voilà. Bonjour. Me dis pas qu'on peut ouvrir tous les placards. Non. On peut ouvrir le four. Y'a rien dedans. Est-ce qu'on regarde? Il va y avoir une tête découpée là-dedans. Hein. Alors, chlorpromazine, ok. Ça fait partie des groupes de drogue comme, qui s'appelle la phénoptèse. Ok. Donc c'est un truc de médecin, quoi. Ok, on vous en donne si vous êtes schizophrène, si vous avez des psychoses comme la paranoïa, des illusions, tout ça, mania, hypoménia, je sais même pas ce que c'est hypoménia, l'anxiété, l'agitation, des violences, et vous avez un comportement impulsif dangereux. Ok, tout va bien? Ouais, il me faut. On a un médecin? Docteur? Les symptômes d'overdose, ok, vous perdez conscience, l'hypertension, la tachycardie, bref, ok. Ok, donc on a affaire à quelqu'un qui a des problèmes apparemment. Ok. Ok, bah écoute ferme. Merci. Oh non! Frigo. Qu'est-ce qu'on a? Ok, déjà le mec est pas vegan. Ouais, franchement, le steak, et tu coupes la partie là, je suis sûr que tu peux manger le reste, hein. Un beau steak, un beau steak.
Ok. Là-dedans, il y a quelque chose ? Non. Ah, il est pas vegan, il est un peu crado, mais il est pas vegan. Ok. Je sais pas pourquoi je suis pas serein, mesdames et messieurs. C'est quoi ce bruit ? Au niveau du son, y a quoi là-dedans ? Je peux pas l'ouvrir, ça. D'accord, ils ont décidé que ces tiroirs, on pouvait pas les ouvrir. Il me faut une clé. C'est bizarre. Il faut une clé. Ok. Toi, t'es suspect, toi. Est-ce que... Oh, y a un truc dedans ! Des clopes. Ok. Attendez. Les touches sont trop cheloues. Des clopes. Y a un truc dedans, c'est sûr. Ouvre-le. Ouvre-le. Il y a du papier. Il y a un papier enroulé. Ok. Torino. Torino 80. Ok. C'est du morse ou un code, je sais pas. Torino 1980. Ok. Ok. Comment tu vas, Keito, t'as la fin ? Alors, ça m'aide pas forcément. Qu'est-ce qu'on a ici ? C'est fermé aussi ? Putain, mais c'est tout fermé ! C'est le code du Wi-Fi ? Ah oui, c'est possible, ouais. Mais bon, on n'a pas... Et là, c'est fermé. On n'a pas d'électricité, donc ça change rien. En fait, le problème, c'est que j'ai vu aucun code nulle part, quoi. Non, non, non. Non, non, non. Écoutez, on va appeler le commissaire. On va lui dire qu'on n'a rien trouvé. Hein. Non ! Laisse-moi sortir ! C'est fermé. C'est fermé. Attendez, à quoi me sert le code ? Eh, mais là, il me faut une clé, il me faut pas un code. Putain, voilà pourquoi il faut pas aller en Italie, mesdames et messieurs. Attendez, il y a un truc dans la cuisine que j'ai pas trouvé, c'est sûr. Attendez. Ça. Ok, il y a rien. Là. Il y a rien. Juste des mouches. Là, il y a la poubelle. Non, 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 ferme-la. Ferme-la à tout jamais. Ferme-la ! Là, il y a rien. Peut-être le frigo, on n'a pas tout regardé. Le four, on a regardé, il y a rien. Ah non, tu l'es... J'allais dire un mot interdit sur Twitch. Ferme la porte. Sur la table, y'a rien. Je vous lis pas, chat. Hein. Je suis désolé, je vous lis pas. Hein. J'ai autre chose à foutre. Ça, je peux l'ouvrir, ça. Est-ce qu'on a un truc dedans ? Y'a rien dedans, y'a juste des fruits dégueulasses. Je vois pas à quoi peut me servir les lettres là. On n'a pas de code, on n'a pas de cadenas, rien du tout. Là y'a rien. Comment tu vas, Crolax ? Je suis tendu, non ? Ça se voit un peu. Hein. Là y'avait rien, y'avait juste des clopes. Fermé. Attendez. Mais là y'a rien, y'a rien. On le voit très bien qu'il y a rien. C'est vitré. Et le reste, c'est fermé. Ok.
La fenêtre, y a rien. Y a rien. La photo. Il faut peut-être regarder derrière les photos. Hein. Le coup du truc derrière la photo. Ils le font assez souvent dans les jeux. Jesus. Va falloir nous aider, Jesus, là, parce que... On est dans la merde. Et je crois vraiment que c'est une famille de nains. Hein. Regardez les interrupteurs. Putain. Attendez, est-ce qu'il y a une... Il y a peut-être une porte qui s'est ouverte. Oh, je vous déteste, mais vous avez même pas idée à quel point je vous hais. Je peux pas appeler du renfort là? Qu'est-ce qu'on fait, chat? Wouah! Y'a rien qu'à... J'ai rien dans mon inventaire. Hein. J'ai juste ce papier là. Quelque chose apparaît si je déplie ce papier, mais je sais. Je sais pas, je comprends pas ce qui est écrit. Moi non plus, je comprends pas. Attendez. AF. Et c'est marqué quoi de l'autre côté? C'est marqué Torino 1980. AF8, BC, BD. Ouais, non, mais c'est un code. C'est un code ou c'est pour. Le problème, c'est que ça nous sert pas, quoi. Ça nous sert pas. Oui, en plus, je suis tendu. Ça m'aide pas, tu vois. Merci, Tutis, pour les 208. Merci, Lévi. Le livre que j'ai trouvé au début. Le livre... Ah ! Non, non. Ah, c'était... Attends, c'est pas ça. C'était dans un tiroir ? Non. C'est pas ici ? Il est où, le bouquin ? Il y a un truc qui va popper dans le couloir, je vais tellement me chier dessus. Là. Non? Ouais, super! La télé, là, j'ai pas interagi avec la télé. Ah, de toute façon, on n'a pas d'électricité. Tu dois l'avoir dans ton inventaire. Il était dans le tiroir. Je l'ai pris avec moi, le livre? La porte blanche avec le sang. Non, je peux pas y aller. J'y suis allé il y a 2 minutes, il y avait rien. J'y suis allé il y a 2 minutes, il y avait rien, Yamajala. Putain. Alors le lustre qui tombe, c'était le seul jumpscare que je m'étais spoilé. Et je suis dégoûté d'avoir couru dans le truc. C'est fait exprès. Donc attends, il faut y aller, il faut repartir, il faut y retourner. Putain. Alors attends. Fuck me. Ah, le coup du lustre, il fait mal, hein. Je suis d'accord. Bonjour. Il est bien rangé, votre sous-sol, dis donc. C'est ici qu'on garde les mômes qu'on kidnappe? Je viens faire partie de votre club, je suis avec vous, moi. Ouais, on va faire le mal, tout ça. Il y a un moment, je vais devoir courir, je vais pas aimer. C'est quoi cette cave de mort là? Y'a quoi ici? Y'a rien. Je peux pas courir. Oh, il va se passer un truc. C'est sûr, je vais remettre le courant.
Je vais remettre le courant, il va se passer un truc. Il y a une clé cassée dans la serrure. Oh putain. Je peux voir un crack sur la droite de la cage, de la boîte. Peut-être si je trouve quelque chose pour faire levier. Ok. Fuck. J'y vois rien. Y a plus de musique. Salon. Ta gueule. J'ai entendu un bruit de pas. Comment tu vas, Luigi? Viens ici que je te bute, enculé! Niquez-vous. T'es tendu un peu. Ouais, je suis tendu. Open? Et quoi là-dedans? Le 15 juillet 1979, les supply. Ah, attendez, triple security code lock, ok? C'est tout? Ok, à quoi ça nous sert ça? Ok, ça nous a servi à rien. Ça nous a donné aucune info. Il faut que je trouve un pied de biche ou quelque chose. On va repartir du début de la cave. Nani? Au-dessus. Putain de ratanas! Alors attendez. Solid Snake, ouais. À mon avis, ça va me servir à couper les cadenas. Ça va pas me servir à remettre l'électricité. Bizarrement. Bizarrement, on va faire tout le jeu sans remettre l'électricité. Eh ouais, bah ouais, c'est bien ce que je pensais. Attends. Ah, c'est comme ça qu'on change. Ok. Ok, donc c'est juste un truc normal, y a rien à... Ok. Ok, on va retourner où il y avait les cadenas du coup. Ça va le faire, ça va le faire, calmez-vous. L'histoire, on est bloqué dans une baraque, c'est la merde. Ouais. C'est l'histoire. Le coup du vibromasseur dans le carton, on connaît? Ah bon? On n'a pas la même vie, toi et moi. Parce que moi, je connais pas. Vous pouvez changer de background, mettre un truc plus sympa, s'il vous plaît? Comment tu vas, Lily? Je suis désolé, je lis pas trop le chat, mais... La démo est accessible à tout le monde, faites-vous plaisir. Quelle porte on coupe en premier? Est-ce qu'on coupe la première porte? Ou on coupe... Enfin, la première porte à l'entrée ou la deuxième? Laquelle on coupe en premier? Merci, Lily. Ça sent la course-poursuite, Didou. La petite? La deuxième? Ok. La première à l'entrée? À l'entrée? Ok. Ok. Mais non, mais mec, coupe! Comment je m'en sers de ce truc? Use, ok. Oh! Oh! On a un escabeau. Il y,
Y'a un bruit chelou, hein. Y'a un bruit chelou, j'ai pas envie de me retourner. Est-ce que... Attendez, est-ce qu'on va... Vous entendez ? Dans le doute, je vais me cacher. Ok. Ok. Le son du jeu, ça va ou vous voulez que je le monte un peu plus ? Hein ? Faites les malins, tiens. Tiens, je vous montre le son du jeu. Un claqueur. Bah, je préférerais limite que ça soit un claqueur, tu vois. Attendez, on a besoin de l'escabeau, là. Non, je sais. Les touches sont tellement chelous. Putain, même les follows me font peur, quoi. Comment tu vas, Carl ? Pourquoi il voulait que je monte ? Photo de Camilla. Ah, il y a un truc derrière. I miss you, daddy. Tout ça pour ça ? T'es sérieux, là ? Quand les emmerdes arrivent, c'est moi qui interviens. Ici, c'est moi qui fais la loi. C'est clair ? Camilla. Alors, donc ça doit être sa fille. Merci beaucoup, Swan, pour tout ça. Merci beaucoup, tu régales. Mi marchi. Hello, papa. Ok. Ok, c'était juste pour ça ? Super. J'aime la vie. On va aller ouvrir le deuxième. On va se prendre un jumpscare, on va rien comprendre. Attendez, il est où le placard pour se cacher ? Il est ici. Ok. Me refaites pas le coup du truc qui tombe. Hein. Ah, y'a rien. Y'a rien. Y'a absolument rien. Ok. Bon, attendez, chat, qu'est-ce qu'on fait ? Maintenant que t'as vu sa fille, tu vas flipper, je le sens. Eh, dis rien. La petite trappe sur le mur ? Il me faut un tournevis pour l'ouvrir. Fuck. Putain, je suis tellement tendu, vous avez pas idée. Il me faut un tournevis. J'ai un escabeau. Là, c'est toujours fermé, j'imagine. Ok. Oui, à mon avis, c'est une cachette, ouais. Je peux pas ouvrir les cartons, non. La cave, on peut pas y aller. La cave, elle sert à rien pour l'instant. Il nous faut un truc pour pouvoir l'ouvrir. Attends, je vais répondre à ta question, mon ami. Il y a un truc qu'on a mal vu, je pense, au niveau du... Au niveau d'ici, il y a un truc qu'on n'a pas vu, je pense. Camilla, à quoi ça pourrait nous servir ? Interact, ok, donc je vais poser l'escabeau. Le jeu a planté. Ok, le jeu s'est fermé tout seul. Super ! Oh non, on doit pas tout recommencer, hein. Oh non, hein. Pas sur tel, mesdames et messieurs. Je relance le jeu, tout va bien. Super ! Non, mais même le jeu, il est en PLS. Ah, attendez, la question du monsieur. Belle fin de jeu. Ouais. J'aimerais savoir, avec ma copine, on vous regarde depuis quelques semaines sur YouTube. C'est gentil à toi en tout cas. On n'arrive jamais à nous cacher du fantôme en duo. L'un de nous finit toujours par mourir. Il faut que t'éteignes ta lampe torche. Il faut que tu jettes tous les équipements électroniques que t'as dans la main. Si t'as un appareil photo, tout ça, il faut que t'aies rien dans la main ou alors rien d'allumé dans la main. Il faut surtout que tu fasses pas de bruit parce que le fantôme entend quand tu fais du bruit. Au micro, même si t'as le push to talk d'activer, même sans activer le truc. Et à coup, comment tu vas ? T'es tendu toi aussi ?
Et si jamais t'as quand même un bug, c'est que t'as peut-être le bug de l'hôte. C'est-à-dire c'est l'hôte de la partie qui bug et qui meurt. Ça m'est déjà arrivé. Non, c'est pas la fin de l'année, moi, attendez. Oh, y a pas résoum, on est obligé de recommencer. On refait... Oh non! Attendez, on va faire ça vite fait. Refaites coucou à YouTube. Oh putain, je suis deg. Let's go. Salut YouTube, aujourd'hui on teste à jouer le Cid. Ouais, allez, on y va, pas le temps de niaiser. Oh putain, c'est pour ça que la démo dure 2 heures en fait. Voilà, donc il faut que tu regardes qui est l'hôte de la partie, Karl. Comment tu vas, écouter la forme? Ouh, tout va bien, ne t'inquiète pas. Je suis un professionnel. Non mais attendez, on va le faire en 2-2. On va le faire en 2-2. Dites rien. Putain. Ah non, le jeu plante quoi. Tu regardes plus trop? Bah écoute, moi je suis un peu tendu mais ça va. On essaie de faire aller. J'ai besoin d'aide, YouTube m'a piégé dans sa cave. Non, arrêtez! Eh bah écoute, c'est gentil Card, ça fait grand plaisir. Merci, merci du soutien. Ça fait grand plaisir. Allez. Non, j'ai pas le temps. T'inquiète pas, nous on a peur de rien. Let's go. À qui ça fait peur? À personne. Ça fait peur à personne. Attendez, il y avait un... Ouais. Il y avait un truc ici. Voilà, ça on s'en fout. Allez, let's go. Le deuxième. Speedrun, baby. Tac. Ensuite, on va dans le menu. Les boutons sont trop chelous. Mais vraiment. On ouvre ça. On prend la clé. On va in the kitchen. In the kitchen. On prend ça. Hop, des clopes. Je me fumerais bien une clope, hein, je vais pas vous mentir. En fait, pour ouvrir déjà le menu, c'est contrôle. Pour naviguer dans le menu, c'est les touches du clavier. Mais ensuite, pour l'utiliser, il faut appuyer sur la souris. Enfin, c'est... Je sais pas. C'est pas instinctif. Pas du tout. Alors, on prend le petit bout de papier. Tac, le bout de papier, on l'a déjà lu. On va le lire quand même. Pour YouTube, hein, évidemment. Pour ceux qui nous rejoignent. Voilà, Torino 1980, blabla. Ensuite, on s'en va. On se tape. Voilà. On peut pas l'ouvrir. Très bien. On se barre. On va dans la poubelle. On dit quoi? Ok. Ça, on lit. Blablabla. C'est la merde. On a affaire à un psychopathe. Cassos. Voilà. Le résumé de l'histoire. Ensuite. Là, il y a du sang. On retourne au début. On revient. Ok. Eh, vous voyez, ça va vite quand même, ça va vite. J'ai remis une couche. Dites rien à ceux qui viennent d'arriver. Oh mon Dieu. J'espère que le jeu va pas replanter. Hein. Ok, là il y avait une note, je sais pas à quoi elle sert, mais on va la prendre quand même. Tant qu'à faire. On va tout au fond. Putain! C'est fermé. Là il y a le carton. Le carton il m'a fait flipper. Hein. Merci Crolax pour les 146 bits. Je croyais que c'était quelqu'un qui marchait au-dessus, moi, au début. J'ai cru voir une boîte à outils bleue en haut d'une étagère dans le garage. Attends. On va se laisser la musique entraînante. En haut d'une étagère... Je suis déjà tendu, là, ça marche pas.
Ok, j'en vois pas, ça doit être plus vers l'entrée du coup. Merci Tutis. Pour un papy? Comment ça pour un papy? Who the fuck you talking about, bro? À gauche? À gauche? Ah là! Oh! Il me faut quelque chose pour l'atteindre. Oui! Ok, donc c'est là qu'il nous faut le... Ok, c'est là qu'il nous faut le... l'escabeau. Non mais un papy, mec. Je suis toujours dans ma vingtaine, moi. Ok, le petit ratanas des familles. Ok. Ah, c'est là qu'on va avoir le tournevis. Alors attendez, let's go. Donc celle-là, il y avait rien. On va quand même l'ouvrir, mais il y avait... Si, il y avait... Si, il y avait quelque chose. Il y avait la petite plaque qu'on doit enlever. On doit enlever. Ouais, voilà, la petite plaque contre le mur où il nous faut un tournevis. On va la trigger. Là, ça marche avec des triggers, les jeux comme ça. Donc généralement... Non, c'est pas ça que je veux, c'est ça. Ouf, je sais que tu rigoles, t'inquiète pas. Il y a beaucoup de second degré ici. Hein. Prends pas les choses... personnellement. Alors, t'imagines, il y a un jumpscare qu'on a pas eu lors du premier let's play. Putain! Attendez, j'ai de la compagnie. C'est bien, ça va nous détendre un peu. Ça va nous détendre. Bonjour madame. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi dossier? Chocolat et pancake. Un pancake au chocolat? Mmh, c'est gentil mon cœur. Tu veux dire bonjour? Non? Regarde les cœurs. Regarde tous les cœurs pour toi. Papa, je joue un jeu, il fait peur. Ouais. Tu veux jouer? Moi, je veux pas jouer. Tu veux jouer, toi? Tu veux pas jouer? Pourquoi tu veux pas jouer? Parce que ça fait peur. Ah. Tu aimes pas quand ça fait peur? Non. Ah, moi aussi, j'aime pas. Moi, j'aime pas les fantômes. Ah, t'aimes pas les fantômes? Oui. Ah, mais moi, je fais ça que pour l'argent. Moi aussi, j'aime pas. Oui, ça fait peur. Ça fait comme ça, bouh. Ça te saute dessus. Ouais, moi non plus. Merci pour le pancake. Oh putain! Comment ça, j'ai oublié de couper le micro? Mais non, tout va bien. Salaud! Petit pancake au chocolat. Il est petit, hein. Il est petit, mais c'est l'attention qui compte. Pour la moula, ma petite. Prends-en de la graine. Ouais, c'est ça. Attendez, calmez-vous. Non, mais faut bien se détendre. Faut se détendre parce que là, je pense que... On va être tendu, là, dans pas longtemps. Ok. Donc, il faut qu'on retourne à la cave. Est-ce que vous pensez que ça vaut le coup qu'on retourne... Merde. À l'entrée avec le... Je pense pas. Si, on le fait quand même. Ah putain, je suis vraiment une bille au clavier moi. Faut vraiment que je m'entraîne, faut que je m'achète un nouveau clavier. J'essaie de le faire sans regarder mon clavier. Ok, on monte dessus. La photo de Camilla Jordana, hop, voilà, on descend. Et maintenant faut qu'on retourne à la cave. Et c'est là que le jeu avait planté, ok. À la cave il va se passer un truc. Ferme ça, toi. Mais je vous ai dit, hein, si vous n'arrivez pas à dormir, c'est pas de ma faute. Moi, je vous ai prévenu. Hein. Tout va bien, tout va bien. Tout va bien, je suis assuré à la MAF. Rien ne peut m'arriver. Yes, tournevis. Ok. Ok, j'ai le tournevis. Est-ce que je peux ouvrir l'électricité avec le tournevis?
J'ai réussi à me faire peur sur mon propre jeu. Attends. J'hésite toujours à courir. Toujours. Est-ce que je peux débloquer le truc avec le tournevis? Oui. Oui, on remet l'électricité, baby! Quoi? Ah merde! Fuck. Pourquoi? Pourquoi? What? 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 Alors, je ne sais pas comment j'ai su qu'il fallait aller là, mais mon instinct de survie. Putain. Ok. J'ai pris quoi? Mid floor hunch key. Il y avait une clé dans ce truc? Attendez. J'ai pris deux clés. C'est pour ouvrir des panneaux du mid-floor corridor. Ok. La musique est un peu forte. Attendez, faut que je cours du coup. Faut que je cours jusqu'où? Jusqu'à l'escalier? Il y a un petit problème de ratanas. Hein. Attendez, on va courir. Je vois rien! Meurs pas! Putain, ça bug! Ok. Moi aussi j'ai les lags. Hein. Je peux pas jump. Ok, notre vie remonte, on va attendre. On va attendre parce que je sens bien la poursuite là, la poursuite dans la baraque. On va attendre que notre vie remonte. Ouais, il y a des freezes, mais ça vient du jeu, ça vient pas du stream ou quoi que ce soit. Ça vient de vous. Et attendez, j'ai un message de Steam. Mise à jour Steam a été téléchargée. Ouais, non, pas maintenant. La flemme. Ok. Ok, on a deux clés. Ok. La porte est fermée, hein, alors qu'elle était ouverte. Ok. Ah, c'est la porte qui s'est fermée. Ok. Ok, ok. Alors attendez, on a le tournevis pour ici. On a des clés pour le corridor. Attendez, on va se servir du tournevis d'abord. Mon cerveau en PLS. Hein. Oh, ils font un tournevis en étoile. Et j'ai pas le bon. Il faut un tournevis en étoile, j'ai un tournevis plat. J'aime la vie, tout va bien. Alors attends. Alors attends, la clé c'est pourquoi? La clé, c'est marqué... Utilisez ça pour ouvrir the hutch. The hutch panel, c'est quoi the hutch? Au milieu du corridor, mid-floor corridor. Il n'y a plus qu'à aller qu'à Bricorama, ouais. J'ai entendu un truc, dans la cuisine. Là. Fuck you. Fuck you. Je peux pas le fermer? Je vais me retourner, il va y avoir un truc. Mon cul c'est fermé, ouais. C'est quoi, c'est ça? Ah, c'est pour ouvrir ça? Merde, mauvais bouton. Pardon. C'est ça?
Ok, non, c'est pas cette clé-là. Le corridor. Mais là, je vois pas pourquoi ils veulent que j'ouvre, quoi. Y a rien dedans. Attends, je vais essayer quand même, mais... Non, c'est pas ça non plus. Ok, donc c'est pas ici. Ouf, ouf. Retourne-toi pas, non mais c'est ça. D'où avec un tournevis plat, on peut pas ouvrir un truc en étoile. On est d'accord. Pourquoi la lumière est éteinte? La lumière était allumée? Putain, 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 putain. J'ai peut-être... Non, je vais peut-être éteindre la télé. C'est peut-être mieux en fait. Attendez. Déjà, on va allumer toutes les lumières. The actual panel seems to be off. Mais nique ta... Pardon. Je suis désolé, hein. J'ai rien contre les mamans, mais là, faut arrêter, là. Quoi? IRL? De niquer une maman? Oui. J'ai déjà essayé, oui, plusieurs fois. C'est pas mal. Ok. Attends, moi j'allume tout, hein. Ok, celui-là, je peux même pas. Ok. Je peux me cacher. Ok. C'est quoi cette maison de merde? Maison de merde. I need something to reach. Oh, ok. Ok, il faut qu'on place le... L'escabeau. Attendez, je regarde. What the fuck? Wopopo! Knock knock. Knock knock, ça veut dire toc toc. J'ai plus de lampe torche. Quoi là-haut? Je peux pas y aller. Ok, y a rien. Pourquoi j'ai plus de lampe? Putain. Je peux pas me cacher? Ok. Regardez les tableaux. Les tableaux ont changé. C'est moi, Toscani. Toscani. À qui je parle? Who am I talking to? Hi, Inspector. Salut, inspecteur. C'est Angela du département. Tout va bien? On dirait que vous êtes un peu tendu. Tu crois? Okay, Angela. I just ate too fast. Ouais, j'ai juste mangé trop vite. Have you discovered anything? Avez-vous découvert quelque chose? We did some research. On a fait des recherches dans les registres, dans les archives. The villa was purchased by Dr. La villa a été achetée par DeSantis il y a 2 ans. From the seedling filed 5 years earlier. We know it must exist. Il y a un passage de 50 mètres dans le sous-sol, peut-être un bunker qui date de la guerre. Ok, le truc qui est bizarre, c'est que l'année dernière, le docteur a fait un document et il mentionne pas le bunker. Donc c'est pas officiel. Ok. Quand tu vas, Mano? Ok. Great job, Angela. Queen. Désolé, hein, tous ceux que je vois pas, que j'ai pas dit bonjour. Trouvez le passage secret. J'ai mal au poignet pour vous dire à quel point je suis tendu, là. Et ça vient pas de la... Vous savez. Faut que je m'achète un nouveau clavier. Ok. Donc il y a un passage secret dans le cellar. Non mais attendez, le cellar, c'est le grenier, c'est pas le sous-sol. Ça va pas, Mano, ça va pas. Et j'ai des clés, là. C'est pour ça, la clé?
que je trouve à quoi ça sert cette putain de clé. Attendez, on va déjà retourner ici. Là, regardez, il y a plein de trucs à fouiller là. Quoi, ta gueule? Ok, on va fouiller là, mais d'abord il me disait en haut. Pourquoi tu veux que j'aille en haut? Là. La nouvelle psychiatrie. Ah. C'est mon anniversaire. Main dans la main, nous célébrons. Cher papa, chère maman, je suis tellement content d'être votre fils. Je vous aime, Camilla. Ok, je pense que c'est une erreur de traduction. Ça doit être une erreur de trad. Ok. Alors, attends. Là. Cellar. Alors, voici un plan qui montre comment accéder au cellar. Alors, attendez. Kitchen, lunchroom. Ah, il faut monter à l'étage. Start. Ah non, ok. Le cellar, il est derrière les portes. C'est les portes vitrées. C'est les portes vitrées, ouais, c'est ça. Attendez. Oui, oui, c'est là, c'est là. Regardez, c'est les portes vitrées. Parce que là, c'est le start, c'est l'atrium et les portes vitrées. Et le cellar doit être de l'autre côté, du coup. Ok. Alors, j'ai deux clés, je sais pas à quoi elles servent. On va finir de fouiller le truc. Pardon. Dans la commode, là, tout était la première clé. Il y avait le tiroir du haut fermé. Ah ouais? Ok, je vais regarder, on va regarder. Ouais! Lunchroom Hutch. Ok. Ok, on trouve des clés. Là, je peux pas ouvrir. Là, je peux ouvrir. Et là, y a rien. Y a rien. Non, mais c'est bien. Vous voyez, fouiller des placards, c'est bien aussi. Ça détend. Voilà, fouillez. Allez chez vous, fouillez vos placards. Je suis sûr que vous allez trouver des trucs intéressants. Vous trouverez peut-être pas des clés, mais vous trouverez des trucs sympas. Des capotes, des médicaments. Et... Attendez, on a une clé dans la cuisine. Donc, Hutch. Oh, la porte de la cuisine est ouverte maintenant. Ferme-la. Ferme-la à tout jamais. Donc attendez, regardons le truc. On a deux clés. Ah voilà, donc hunch panel, c'est bien la commode. Donc c'est la commode dans le corridor et la commode dans la cuisine. Ok. Vas-y, fais péter. On va commencer par celle-là. Voilà. Qu'est-ce qu'on a? Licence d'arme à feu. Ok. Putain, s'il me donne un gun, je suis refait. Ok. Là, c'est fermé aussi. Et là, y a rien. Ça y est, ma lampe torche est revenue. Ok. Et ça, je peux toujours pas l'ouvrir. Non, toujours pas. Ok. Ok, donc il faut qu'on aille... Attendez, là, y a rien. Y a rien. La télé, y a rien. Comment tu vas, Elise? Tu vas bien? Ouais, ouais, il y a des plaques blanches, mais me dites pas, hein, laissez-moi chercher. Mais je peux pas, celle-là, je peux pas. C'est vraiment juste celle qu'il y a ici. Alors, attends. Le corridor. Le corridor, du coup, c'est ici. C'est ça, non? Ah, mais ça, c'est pas fermé à clé. Le corridor. C'est à l'étage? Non, à l'étage, c'est fermé aussi. On va essayer, mais... ouais, je pense pas, voilà. Mid-floor hutch. Mid-floor. L'étage du milieu. Ça qui est chelou. Je veux dire, là c'est tout ouvert, y a rien de fermé. Eh ouais. Fatigué. Écoute, je suis pas sûr que le stream de ce soir te fasse te reposer. Qu'est-ce qui est fermé? Je vois pas. Mid-floor. Eh ben écoutez, mid-floor, on va dire que c'est en haut. Ça? C'est pas ça. Non mais non, je voulais pas me cacher. Pour l'instant, on n'a pas eu besoin de se cacher. Hein. On va pas se plaindre.
Un mec qui a disparu, il va dans la maison pour savoir pourquoi. Voilà, c'est ça, Tutis. Grand pas, comment tu vas? La porte d'entrée est fermée. Hein. Bah écoutez, on saura peut-être plus tard. On va retourner au basement. Puisqu'il faut qu'on trouve le bunker, je crois. Donc, voilà. Pourquoi la lumière est toujours éteinte ici? Ah non, c'est fermé. Attendez, qu'est-ce qui est fermé que je peux ouvrir avec une clé? De corridor, de mid-floor corridor. Attendez, est-ce qu'on a la localisation du mid-floor corridor là-dessus là? On n'a pas. On a le grand floor, donc le grand floor c'est le rez-de-chaussée et le mid-floor, donc le mid-floor c'est le deuxième étage, enfin l'étage quoi. Mais y a rien madame. Comment tu vas, Popine? Tu vas bien? Chat, vous êtes intelligente, ça. Aidez-moi à comprendre. Là, je suis désolé. À part ce bouquin, on a Camilla qui nous sert à rien. On a déjà chopé tout ce qu'on pouvait. Le vase rose à côté du buffet. Ouais, les vases roses, on les a déjà fouillés. On les a déjà fouillés, madame. Tu vois, y a rien dedans. Le corridor. Le mid-floor corridor. Le truc, c'est qu'il n'y a pas de... Il n'y a rien, quoi. Les portes sont fermées. J'ai pas essayé celle-là. Et je pense pas, ça ressemble pas à une clé pour une porte. Ah ouais, non. Mid-floor hunch. Le problème, c'est qu'il n'y a rien de fermé, quoi. Attendez, vous savez quoi? On va refaire, mais... Ouvre les paquets de clopes avec la clé. En fait, c'est une hunch. Hunch, c'est un placard, quoi. C'est une commode. Tu vois? Le problème, en fait, c'est que on n'en a aucune de fermée, quoi. Ah ouais, là, il y a un code. Et ça nous sert pas encore. Tu vois? Là, c'est pour se cacher. Là, c'est où il y a la télé. Là, c'est la cuisine. Là, les tiroirs, on peut pas les ouvrir. On a eu une licence d'armes à feu ici. Il y avait absolument rien ici. Attends, je vais me baisser, mais dans le doute. Non, il y avait rien. Il y avait rien. Ah! Ah non, c'est juste fermé. Ok. Là, il n'y a rien. Et là, c'est fermé, mais on sait pas. Tu vois, c'est fermé. Et on peut pas se servir de la clé. Donc, c'est pas la bonne clé. Tout le reste, il n'y a rien. C'est des verres. Le vase ici, on l'a déjà checké. Là, il n'y a rien. C'est pour ouvrir la porte du cœur de la patronne. Oh! Ah oui, le vase à l'entrée, il a été projeté, ouais. Il est là. Fuck me. Fuck. Pardon. Vous avez vu comme je parle bien l'anglais quand j'ai peur? Bonjour. Pourtant, j'y suis déjà allé ici. Hein. Non, 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 non. Le courant était éteint encore. Non, 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 non. Regardez, je vole. Non.
J'ai entendu un truc. Il vient de remettre le courant. Non, pas du tout. Chat, j'en ai. Ouah. Il va falloir se cacher. Je sais pas pourquoi je sens qu'il va falloir se cacher. Toutes les portes sont ouvertes, j'aime pas ça. Ferme-moi cette porte là. Il faut qu'on retourne à la cave, hein. On n'a pas le choix. Non, pourquoi le frigo est ouvert? Ah, c'est fermé. Il faut aller à la cuisine. Oh, putain, j'ai une envie de chier. Désolé, hein. Tu caches là. Non, là, il n'y a plus de préliminaires, chat. Hein. On a passé le stade des préliminaires. Pourquoi le frigo est ouvert? Putain, il y a un truc derrière moi. Oh putain! Bonjour! Oh! Elle a cassé une assiette, la bougresse. Ça m'a remis le courant là. Non? Oh merde, ça a pas marché? Putain, Thierry, tu fais chier, hein. Pourquoi elle a pas marché l'alerte? Je la remets, ça me fait peur quand même. Thierry, il regarde même pas l'écran, c'est pour vous dire. T'es un caporal, je suis désolé. Je sais pas, merci beaucoup pour les 666 bits. Je sais pas ce qu'il y a en ce moment. Mais la première fois que vous mettez une alerte, elle marche pas en fait. Je suis obligé de la remettre. Mais après, elle marche. Je sais pas pourquoi. Mettez une alerte qui a jamais marché pour moi. Il y a quoi comme alerte que vous avez jamais mise? Ah non, mais... Oh, regardez. Il y a une clé par terre. Nice. On a la clé de l'arc. Ok, l'arc, c'est la porte vitrée. Non. Merci beaucoup, Caporal, pour les 666. C'est quoi ce bruit? Il y a des petits bugs d'affichage, mais... Ok. Ouais, il faut changer le disjoncteur. Merci de me l'avoir rappelé, en tout cas. Désolé, Caporal. Ok, on a de la musique. Quand il y a de la musique, rien ne peut se passer quand il y a de la musique. Putain, mais il y a des gros bugs d'affichage. Hein. Ah, c'est l'art. C'est ici, c'est l'art. C'est où je dois aller. Ok. Non, mais... On peut pas se planquer ici. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de casier ou de placard. Ou... Il faut monter à l'étage. Tout est fermé. Oh, c'est là. Ok. Divorce. Ok, la cour de Turin a accepté la dissolution du mariage. Ok. Et là, il n'y a rien. Ok. Il n'y a rien. De l'acide. Ok. Et là, il n'y a rien. Ok. Ok. C'est peut-être le tableau le plus normal de la baraque, là. Avec celui de Jésus, parce qu'il y a des gens qui ont des tableaux de Jésus chez eux.
Des bisous à eux. Bon, bah, on monte. Fuck me, fuck me. Mais non, c'est fermé. Faut que j'aille où? En fait, je pense que le jeu, faut juste se balader et des fois, il y a un truc qui se passe, en fait. Un disjoncteur qui se réenclenche tout seul, c'est pas très sûr. Ouais, on est d'accord. Attendez, j'ai envie d'aller voir à l'étage, du coup. Ah non, ça marche plus. Oh putain, chat. Vous voyez, on est encore paumé. Le livre? Le livre? Comment ça, le livre? Quel livre? Les bruits, genre aboiement, on croyait que c'était chez nous dehors. Non, 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 c'est... ouais, ouais. C'est tout ici. Va voir si le sous-sol est ouvert. Ouais, bonne idée. Mon jeu tourne à 30 FPS, c'est un truc de ouf. Ça rame pas, vous, sur le stream, ça va? Non, non, tout est fermé. Dans le siège, il y avait un livre. Ouais, je l'ai vu, mais je crois que je peux pas interagir avec. Tu vois que le jeu est mal opti, quand même. Alors. Ce livre-là, tu parles, j'imagine. Je peux pas interagir avec. Alors, attendez. Attendez, attendez. On a débloqué cette porte, ok? On a quoi sur nous? On a un escabeau, un tournevis et un code. Ok? On a débloqué cette porte. On est entré ici. Ça, c'est fermé. On a ouvert ce truc. On a eu un certificat de divorce. Ok? Les photos, il n'y a rien. Non. Photos, il n'y a rien. Et tout est fermé. Tout le reste est fermé, en fait. Dans les tiroirs, on a checké, il n'y a rien. Il y a juste ce truc, mais on peut pas le prendre. Il faut qu'on trouve un passage secret. Open la fenêtre. La fenêtre? Là où c'est fermé. Comment tu vas, Meta? Tu vas bien? Tu peux ouvrir la fenêtre? Je peux ouvrir la fenêtre? Quelle fenêtre? Quelle fenêtre? À côté du bouquin bleu? Merde. Non? Nani? De quoi tu parles? Non, les fenêtres sont fermées. Non, à mon avis, il faut se balader, il va se passer un truc. C'est moi qui cherche trop compliqué, je pense. Quand même ouf que toutes les portes soient fermées. Alors, attendez, on va retourner au début. Bah voilà, on est au début. Ok. Ça, on l'a fait. Ok, là y a rien. À mon avis, on s'approche de la fin là. C'est moi où il y avait un bruit? Ici, c'est où on a trouvé l'escabeau. Y a rien d'autre. L'escabeau était là. Ok. Y a rien. L'étage. On va faire petit à petit. On va bien trouver, hein, s'inquiétez pas. L'étage, on peut se cacher, il n'y avait rien. Les portes sont fermées. Ça, ça marche pas. Tout est fermé. La lumière marche pas. Le pot de fleurs. Il y avait des fleurs? Je ne me souviens pas qu'il y avait des fleurs. Sur moi, j'ai rien, on est d'accord. J'ai un coupe-boulon, un truc. J'ai un code. Et le code, je sais pas à quoi il sert encore. Bourra, bourra, bourra. Ok. Tu pouvais interagir à côté du bouquin bleu, mais ça doit être pour ouvrir les tiroirs, ladies and gentlemen. Regardez, c'est pour ouvrir ça là. Il y a rien dedans. Vous voyez, il y a rien. Il y a pas un bouton caché, non, il y a rien. Ou sinon c'est la photo. Mais à côté du bouquin, il y a rien. Ah, le vase. Ah, il y a rien dedans. Ah, je suis deg. Ok, il y a rien dedans.
Oh non, la fenêtre, y a rien. Je trouve ça dommage qu'il faut un jetpack tourné dans la maison pour activer un effet. Ouais, c'est, je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord avec toi. Mais attendez, du coup, attendez, on va reprendre où on en était. Soyons méthodiques, c'est le meilleur moyen. On est allé en haut, on est allé ici, on n'est pas allé là. Ok. Là, on peut se cacher. La salle de la télé. Ça rame un peu. Hein. La salle de la télé. On a tout vérifié. Y a rien. Là, j'avais chopé une clé. Là, y a rien. Là, y a rien. Les autres, je peux pas les ouvrir. La télé, je peux pas. Y a rien. Et là, y a rien. Ok. Ok. Là, on pouvait mettre un escabeau. Ok. On met l'escabeau. On monte dessus et c'était pour avoir la photo dans le bouquin là. Que le reste du bouquin on peut pas l'ouvrir. Tu vois, on peut rien ouvrir. Y a rien d'autre. Non, y a rien d'autre. Y a pas un bouton caché, un livre, non. Non non, y a rien d'autre. Okay. Ah le frigo était ouvert, ouais. Ouais mais en fait quand on est allé fermer le frigo, c'est là qu'on a récupéré la clé, tu vois. Avec l'assiette cassée. Mais le frigo, y a rien. Frigo, y a rien. À mon avis, c'était juste pour trigger. En fait, il faut qu'on trouve le prochain frigo ouvert, quoi. En gros, c'est ça. Faut qu'on trouve le prochain trigger. C'est pour ça que je visite tout. Sur la table, y a rien. Putain, elle m'a fait peur, l'autre conne, là, quand elle était là. Je me suis dit, mais je suis bloqué, je peux pas me cacher. Bref. Ça, c'est fermé. La lumière marche pas. Là, on a déjà fouillé. L'étage ici, la porte. La porte. Est-ce que la porte de l'étage est ouverte? Toujours pas. Toujours pas, toujours pas. Ok. Le tournevis, toujours pas. Eh ouais, je peux pas me servir de ça. Je suis deg. Donc il y a un truc avec la nouvelle porte qu'on a ouverte, l'arc là. Eh non, basement door, j'ai pas la clé. Voilà chat, voilà où on en est. Ça, je peux toujours pas l'ouvrir. Mais bon, après, est-ce que j'ai vraiment envie d'y ouvrir? Je sais pas. Yanji, mon cœur. Hi. Tu veux dire au revoir? Non, tu veux pas? Allez, file. Au revoir, ma puce. Et si tu combines la pince avec le tournevis? Alors, toi, t'as trop joué à Tormented Souls. Je crois pas que je puisse. Hein. Je peux pas combiner. Je peux juste faire examiner ou utiliser. Et ça, là, à quoi ça nous sert, ça? Torino 1980. Attendez. Torino... Attendez, Torino 1980. Est-ce qu'on a un bouquin ou un doc qui s'appelle Torino? Regardez, Torino 1980. Attendez. Oh, fucking shit. Ok, 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 ok. Comment... toutes les photos ont été examinées. Non, je vais examiner les photos d'Opa. C'est une bonne idée, j'y pensais. Attendez, on va faire ça d'abord. Chat, j'ai besoin de vous. Chat, il faut que vous vous rappeliez des numéros qui sont ici. Comment tu vas, Droopix? T'as la forme? Salut, déchirement. S'il vous plaît, chat, rappelez-vous de ça. AF8, quelqu'un marquez-le dans le chat, s'il vous plaît. AF8, BC9, BD7. Torino, c'est là où le truc est né, ouais. Je vous laisse le temps, hein. Marquez-le. Merci, Utile. Ok. Ok, ok, merci. Maintenant, on va sur le Torino. Alors, attendez. AF8. AF8, à quoi ça correspond? Est-ce que vous pensez que ça correspond à Armoré Filippo? Et que c'est le 8e numéro, du coup? Donc, 0, 1, 1, 8. Donc, ce serait... Attendez.
Ce serait le 1 du coup. Donc 1. Attendez, je vais noter. C'est quoi ce jeu de ouf? On va noter parce que de toute façon, il faudra le faire à un moment. 1. Ouais, je pense que ce serait les initiales des gens avec le numéro du numéro. Tu vois ce que je veux dire? Qu'est-ce qu'on a d'autre après? Après, on a BC9. Donc BC, c'est Baron Siro. On n'en a pas d'autres de BC. Hein. Non, on n'en a pas d'autres. On n'en a pas d'autres. Et c'est... Attendez, et c'est le 9. Donc le 9e numéro, Baron Siro, c'est... C'est le 2. C'est le 2, hein, on est d'accord. Le 2. Ok. Bah, je sais pas, on va voir. Après, c'est BD7. BD7. BD7, donc ce serait... 1, 2, 3... 1, 2, 3... Ce serait le 5. Ok, 5. Après, CA8. CA8. Ah si, non mais c'est ça. CA8, donc ce serait le 7. Et en dernier, le DA4. DA, donc ça doit être D'Angelo, 4. Donc c'est le 8. Ok. Ça nous donne 1, 2, 5, 7, 8. Ok. Comment tu vas, Seba? Commencez pas à spoiler, là. Seba, respecte-toi. Dernier avertissement. Je l'ai pas dit dans le chat, mais... merci, merci de noter. C'est le dernier avertissement. Le prochain qui spoil, qui backseat, ça dégage. Je veux pas être méchant, mais laissez découvrir les gens par eux-mêmes, s'il vous plaît. Ouais. Alors, ok, on a le code. On sait pas encore à quoi sert le code. Merci, merci à ceux qui m'ont aidé. À noter. Alors. Vous avez entendu? Il y a eu un grincement, quelque chose. Attends. Pardon? Pourquoi pardon? Non mais, qu'est-ce que je viens de dire? Qu'est-ce que je viens de dire? Je viens de le dire littéralement! Taisez-vous! M'obligez pas à vous time out! Putain, c'est fou ça! Ah ouais, non mais les modos, vous avez carte blanche, hein! Oui, il y a un screwdriver, je l'avais pas vu. Merci. Mais c'est parce que je suis gentil et parce qu'on galère, tu vois. Mais voilà, vous êtes avertis maintenant. On est parti. C'était ici la plaque? Non, c'était l'autre. C'était l'autre. Qu'est-ce qu'il y a, Meredith? Alors. Eh, comme quoi... Bon. Vous l'entendez? Est-ce que vous l'entendez? Je vous montre le son. Ne prenez pas personnellement, vous inquiétez pas. C'est juste, laissez-moi chercher. Attendez que je vous demande pour me donner des indices. Calmez-vous, je suis pas énervé. Je suis tendu, il y a une différence. La clé du cellar, ok, c'est ce qu'il me faut, c'est la clé du cellar. Ouais, t'as vu ça, Kaito? J'ai mal au cœur. Attendez, donnez-moi 30 secondes. On monte ou pas? On monte.
Oh putain! Ouais, grave, elle fait quoi la clé ici là? Ouh. Allez. Non, c'est pas le moment. Attends, je reçois des messages là. C'est qui? C'est quelqu'un de l'au-delà? Non, c'est bon. Ok, la porte est pas ouverte. Non mais voilà, attendez que je vous demande pour les conseils, s'il vous plaît. Attendez que je vous demande. J'ai peur de courir. Mais c'est... Attendez, c'est vrai que... Attendez, regardez, quand on rentre, on le voit pas, le tournevis. Hein. Regardez. Ah ouais, putain, ils sont forts. Hein. Ils sont forts. Le cellar, il est là. Il est sur la... Oh ! Sur la droite. Putain, il y a un bug ici. Quelqu'un derrière moi ? Oh, le lag ! What the fuck ? What the fuck ? Eh bien, au moins, tu es cohérente. Seulement, tu resteras une connasse. Fermé. Merci beaucoup pour les 100 bits. Merci, Tutis, aussi, pour les bits. Et un petit coup d'eau, ouais. Les gens veulent pas rester tranquilles ce soir sur mon site. Je peux pas suivre. Sérieux, il y en a qui viennent te faire chier. Bah, écoute, des bisous, Viking. Bon courage à toi. Ouais, à un moment... Ouais, je suis d'accord avec toi, Didou. On la voit popper de loin, mais il y a un moment, elle va nous venir en pleine gueule. Mais là, le coup dans l'escalier, elle nous regardait. Je vole. Regardez. Ah mais non, mais Cellar. Cellar, c'est la cave à vin. Je suis con, le Cellar. C'est la cave, quoi. C'est pas le sous-sol, c'est la cave. Oh putain, je le sens pas, là. Je le sens pas, chat. Eh bien, au moins, tu es cohérent. Ouf. Seulement, tu resteras une connasse. Merci beaucoup, Drupix, encore une fois. Drupix, point d'exclamation, scream, et t'auras la liste de toutes les alertes différentes en fonction des bits, si tu veux. Oui, c'est le cellier, quoi. Alors, le jeu est en low, là. Hein. Le jeu est en low, et je trouve qu'il est assez joli. Je l'ai pas mis au maximum. Pourquoi on peut se cacher ici? Pourquoi on peut se cacher ici? Ok, à mon avis, le cellier, c'est le moment où on va débloquer la chase. Ça va partir en chase. Je pense. Putain. On fait le tour? Attendez, on tourne en rond, là, non? Attendez. What the fuck? Ça sent la chase, mais ça sent tellement la chase. Merci, Titus. Ça sent la chasse. Et en plus, c'est un labyrinthe. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? C'est le bunker. Ah, c'est le code. Oh putain, les grenouilles. Vite. Cassos. Les grenouilles. Non, non. 1000 bits. Go, go, go. Oh. Attendez. Ouais, je suis essoufflé. Merci beaucoup, Drupix, pour les 1000 bits. Merci, tu régales. Oui, merci, docteur. Je l'ai noté aussi. Ouais, je pense que c'est le code. Je peux toujours courir avec la stamina à zéro? Sérieux? Attendez, on va faire un test. Vas-y, je cours. Je me raccroche à la vie. Je sais pas où je suis allé. Je suis allé par là, non? Là. Ah oui! Ah oui, oui. Et si je m'arrête et que je recours? Ah là, je peux pas. Ok, là, je peux pas.
Ok. Non, mais c'est bon à savoir. Pourquoi je cours? Parce que je voulais faire la blague et me planquer, mais... Ok. Ok, on va faire le code. Alors. 1, 2, 5, 7, 8. Vous entendez? Si je te dis que t'es tendu, t'es tendu. C'est pas entendu, je suis pas tendu. Je te dis que t'es tendu, Natacha. C'est tout. Oui, je suis tendu. C'est pas ça? C'est pas ça. Oh, tabarnak! Ta gueule. Pardon. Bisous les gueux, vous me manquez. Ça va Camille? Ah, tu vas bien? Ça fait plaisir de te voir. Alors attendez, on va visiter. On a peut-être les bons numéros, mais c'est peut-être pas dans le bon ordre. Attendez. Access deny, ouais. Oh. Ça y est, Droopy, que j'aurais jamais dû lui dire qu'il pouvait... Mais pourtant, je pense que c'est ça, hein, parce qu'il faut suivre les taches de sang, j'ai l'impression. Ou de vin, tu vois. Là, on peut se cacher, là, y a rien. Et vu comme c'est labyrinthique, c'est sûr, on va se faire courser. Là, j'y suis allé. Et là, c'est l'escalier d'où je viens. Y a rien sous l'escalier. Ou alors, on a mal compris le code. Merci, Tuti. Quand on a check le code, qu'est-ce que t'as dit? Tu t'es peut-être trompé. Ouais, c'est ce que je pense, ouais. Tu as dit DA4 et pas DA9. Ah, Oswina. Comment tu vas? Merci. De toute façon, j'allais rechecker le code. Hein. Je voulais juste visiter, tu vois, au cas où. Non, mais c'est sûr, on va se faire courser. 100%. Ok. Donc attendez, je vais tout droit, je tourne à gauche et à droite et il y a une commode où je peux me cacher. Alors attends. Attends. On va y arriver. On a dit AF8. AF8, 1, 0, 1, 1, 8, 8, 6, 4. Donc c'est 1. On est d'accord, c'est 1. BC9. BC9, bah c'est le dernier. C'est 2. Là, on est d'accord. Comment tu vas, Cédric? Merde, c'était quoi l'autre? Remettez-moi, s'il vous plaît. Tutis, remets-moi le code. Enfin, pas le code, les BC avec les lettres. C'est pas du sang, c'est une femme qui boit comme un trou. Ouais, peut-être. BD7. Donc BD7, c'est la page d'après. Et c'est le 5. C'est l'avant-avant-dernier. CA8. C'est le 7. Et DA9. C'est là que je me suis trompé, j'ai dit DA4. Et donc c'est 9. Et moi j'avais dit 8, c'est pas 8, c'est 9. Ok. Ok. Donc t'as sûrement raison, je me suis sûrement trompé. Le truc c'est, est-ce que j'ai vraiment envie d'ouvrir cette putain de porte? Oh putain! C'est pas le moment! Merci Droopix. Fuck me in the ass. I will take you. You can't save. C'est quoi mon objectif? Trouver une planche de bois numéro 1, numéro 2. Ok, il faut trouver 4 planches de bois. Ok. Ok, chat, vous savez quoi chat? Regardez. Regardez. Je vais pisser. Ah, je vais pisser parce que je vais mouiller la chaise là.
Salaud! Viens ici que je te bute, enculé! Oh putain, putain, putain. Ok, ok, ok. Calmez-vous, calmez-vous! Alors, je me tais parce que j'ai l'impression d'être dans Phasmo, tu vois. Merci beaucoup, Dropix, pour ce soir. Bah les couilles, moi je suis un ouf, moi. Je crois que ça me fait peur, là. Avec son couteau à la con. Putain, Nick. Un jour, je vais prendre Alain de vous, je vais le sodome à sec. Mais vraiment. Et y aura pas d'amour. Hein. Y aura pas d'amour, crois-moi. Le truc, c'est que j'ai pas envie de courir pour paniquer ma... Planches de bois? Non mais attends, elles sont où les planches de bois? Là. J'en ai une. Ok. Si je recommence du début, je... Ok. Ok, donc en fait, s'il me voit me planquer... Des bisous, Nami. C'est déjà très gentil d'être resté aussi longtemps. S'il me voit me planquer, je suis mort. Ok. Ouf. Ok, là on se fait péter le fion. Elle m'a pas vu. Oh, ce son il fait mal. Hein. Comment tu vas, Escul? Ok, est-ce que ce serait pas mieux de courir dans tous les... Attendez. Non. Attendez. Est-ce qu'on peut voir... Merci beaucoup, tu... Dropix. Est-ce qu'on peut voir les planches à l'avance? Est-ce qu'on peut voir les planches à l'avance? Elle est où, la planche que j'ai trouvée tout à l'heure? Elle était où, la planche que j'ai trouvée? À mon avis, on peut pas les voir à l'avance. Le don est ouf. Ah, le son, ouais. Je vais attendre, j'ai loupé un don. Non, je les vois pas à l'avance, ouais. Je suis passé devant, elle y est pas, ouais, c'est ce qui me semblait. Ok. Fuck. Fuck. Ok. Ok. Ah oui, il y en avait une là, oui. Il y en avait une là, elle y est pas. Ok. Non mais attendez, mais comment je fais du coup? Tout à l'heure j'ai pu me planquer et là non. Ok, au moins ça sauvegarde, on va pas se plaindre. Par contre elle va vite hein, j'ai pas eu le temps de me cacher, rien du tout hein. Attendez, je vais réessayer ce que j'ai fait juste avant. Il
La musique est bizarre. La musique est bizarre quand même. Hein. Merci, tu dis ça. Ok, là, elle m'a pas vu. En fait, quand elle me chope, faut que j'appuie sur E vite. Mais elle m'enlève quand même la moitié de ma vie, quoi. Mais elle sait que je suis là. Faut couper son champ de vision comme Phasmo. Ouais. Ok. Donc là, elle va rester là, puis elle va revenir vers nous. Ok, la prochaine fois qu'elle reste là-bas, je pars sur la droite. Ok. On va y arriver, on va y arriver. You cannot save yourself, ok. Je crois qu'elle m'a vu. Ah, en fait, je la repousse. Ok. Ok. En fait, je la repousse. Je peux la repousser si je suis assez rapide. Vas-y, prends la planche. Et cache-toi. Non, écoute, on va pas se cacher. Elle est là, je crois que je l'ai vue. Ouais, quand il y a la musique, c'est qu'elle est derrière nous. Donc là, elle va nous choper. J'appuie sur E et on se casse. Voilà, on tourne en rond. On est zazie. Et on va se cacher le temps que notre vie remonte. Fuck! Je suis mort. C'est spécial, hein. Le gameplay, il est vachement spécial, la fin, là. Ouais, j'ai sprint illimité, mais si elle me chope... Est-ce que ma vie remonte quand je sprint? Si ma vie remonte... En fait, même en sprintant, elle arrive à me choper, quoi. C'est ça qui est ouf. Ok, let's go. Donc là, j'appuie sur E. Tac. C'était marqué espace. C'était marqué espace, donc ça change. Ok. Putain, et ce son. Ouais, elle remonte. Ok. Ah, donc faut être attentif, en fait. E ou espace. Donc la space. Ok, ok, ok. Eh, on va courir. Là, j'en ai une. Merde, je me suis arrêté. Là. Elle est là. Elle m'a pas vu parce que je suis El Matador, ma couille. Elle est là-bas, donc on va pas y aller. Là, c'est l'entrée. Putain, ça y est, je tourne en rond. Quand je cours, ma vie remonte, ouais. Ok, dès qu'il y a de la musique, en fait, c'est qu'elle nous voit. Là, il y en a une. Putain, il nous manque une. Il nous en manque une. Attendez, je vais attendre que tout remonte. Putain, elle est pas là. Au début, sous l'escalier? Non? Ok. Calmez-vous, chat. Il nous en manque une. Ouais, je pense que plus t'es rapide, ouais. Moins tu perds de vie, je suis d'accord. Je suis pas allé de ce côté, malheureusement, je pense... Elle est là. Elle va me choper. J'appuie sur E et je me casse vite en courant. Et j'attends que ma vie remonte. Ok, je m'arrête pas. Je m'arrête pas, vous me dites si vous voyez une planche. Ok, ah, c'est... En fait, quand il n'y a plus la musique, on est bon, en fait. Ok. Putain, elle est où, cette planche de mort? Elle m'a vu. Elle m'a vu. Elle va me choper, là. Espace. Ok. Y'a pas de planche. Putain, je tourne en rond. Elle est où, cette planche de mort?
Là ! Oui ! Attendez, on va se cacher. On va attendre que tout remonte. Regarde, il y a la musique, donc elle est pas loin. Ok. Bloc Cellar avec 4. Ok, donc il faut que je retourne au tout début. What ? Non, mais non ! Pardon, le son. C'est pas grave. Chat, soyez fort sur les appuis, on va y arriver. Oui, mais je sais, j'ai appuyé. En fait, j'ai appuyé sur eux, je me suis trompé et c'est pour ça que je suis mort, je pense. C'est parce que je panique trop, c'est pas grave. On va y arriver, j'en suis sûr à 100%. J'ai jamais eu F. Putain. Jeu de merde. Le jeu qui troll, ouais. Espace. C'est bon. Allez, let's go. Mais pourquoi je cours plus? Ok, les planches sont au même endroit. Easy. Merde, je me suis arrêté. Quel con. Il y en a une là à côté. Ok. Elle m'a vu. Tu vas rien faire du tout, ma couille. Tu vas rien faire du tout. Là, elle va me choper. Ou pas? Merde, je me suis arrêté. Ok, il m'en manque une, non? Elle est où la dernière? Elle est là? Non, elle est pas là. Elle est où la dernière? Merde, je sais plus où elle est. Là, c'est la porte. Elle doit être par là, non? Elle est là. Ici. Non, je l'ai déjà prise. Donc, je vais attendre que ça se recharge. Toujours à côté des armoires. Il m'en manque une, on est d'accord. Il m'en manque une, la numéro 2. Là. Ok, et là je retourne au début. Putain ! F, nique ta mère. J'ai appuyé sur F. Coucou. Elle va me rechoper. Le jeu plante. Nique ta mère. Pardon. Le jeu a planté. Jeu de merde. Calme-toi. Le jeu a planté. Putain, j'y crois pas, quoi. Tu vois, et c'est pas... C'est un jeu officiel sur Steam, hein. Vous pouvez choper la démo et tout, hein. Putain, je reviens pas. Attendez. Pro Phoenix, hein, les Italiens, vous ferez mieux de faire du café, des pizzas au lieu de faire des jeux, hein. Putain! Je suis sûr que c'est la fin en plus. Attendez, vous savez quoi? On va prendre aucun risque, on va mettre le jeu en ultra low. Regardez, qualité dégueulasse. Et on va résumer. Et t'as intérêt de nous remettre quand on ouvre la porte. Putain, je suis sûr que c'est la fin en plus. Ouf. On va y arriver. Non, mais ouais, mais après, enfin, c'est une démo, mais quand même, quoi, respectez-vous. Le jeu crash, quoi. Ça va bien se passer, calmez-vous. La démo est sortie il y a plus d'un an, le jeu est toujours pas sorti en early access. Hein. Ça se trouve, le jeu verra jamais le jour.
Comment tu vas, Garcim? Garcimor, comment tu vas? Zen, Zen. Merci beaucoup, Darka, pour les 666. Et merci beaucoup pour le follow, Garcimor. Merci beaucoup. Restez zen. Restez zen. La porte. Tu me mets à la porte. T'as intérêt de me mettre à la porte. Je refais pas tout. Ok. Ok, nice. Garcimor, si tu viens d'arriver, fais attention à toi et tu risques d'avoir peur. Merci Darka pour les 136. Ok. Ah, vous inquiétez pas, le coach, je m'en souviens. Ok, vous êtes prêts? E, F ou espace? F. Et on court, on court, on court, on se raccroche à la vie. Let's go. On va pas prendre celle qu'il y a ici, parce qu'elle est derrière nous. Ok, là elle nous a lâché. Il y en a une ici. Pff, je crois que tu me fais peur. Ok, elle m'a vu. F, F. Ok. Mais je peux pas, je suis bloqué. Je peux pas courir. D'accord. Alors en fait, on peut pas non plus y aller comme un bourrin. On peut pas non plus y aller comme un bourrin. Ok. Ah non, mais j'en peux plus là. Mais on va finir le jeu, hein. Coûte que coûte. Coûte que coûte, je veux voir la fin. Ok, donc il faut quand même que ça se recharge bien comme il faut. Espace. Ok. Elle est derrière moi. Elle est derrière moi. Ok, je pense que là on est safe. Non, pas du tout. F. Putain, mais en fait c'est tellement random. S'il y a des fois elle te perd, des fois elle te perd pas. C'est ouf quoi. C'est tellement random. Ah ouais, les QT infectent quoi. F. Vas-y, si je tourne en rond. Merde. Merde. Je suis mort. Je suis mort. Je suis mort parce que je peux plus courir en fait. Vous voyez? Le temps que ma barre se recharge en fait. Donc je suis mort. Ou pas. Let's go. Ah, et ce bruit là! Ouf. Calmez-vous, calmez-vous. Ne vous énervez pas parce que déjà moi ça commence là. Donc calmez-vous. Restons calmes, ok, on va y arriver. Regardez, celle-là c'est la bonne. Calmez-vous. Et j'avais réussi, ouais, c'est ça le pire. Calmez-vous. Voilà, croivez, croivez, croivez. C'est le plus important. QTE de merde. F. Le problème c'est que je peux pas savoir si elle est derrière moi, quoi. Ok, on va dire qu'elle est pas derrière moi. Ok. Et on attend. On attend que ça se recharge. Ok. Restons zen. Restez zen. Croivez. Voilà, croivez. Ok. On est rechargé à fond. Elle va me choper, donc on va se laisser choper. Voilà, et là on va courir. Voilà, c'est ça qu'il faut faire. Et si elle nous rechoppe quand on a plus de stamina, on est mort. C'est là qu'on meurt. Ok, là elle nous a lâché. On va laisser remonter la stamina. Ok. Calmez-vous, on va y arriver, faut être méthodique. Ok, la stamina est revenue. On est obligé de pas courir. Ce qui fait peur, je vous l'accorde. Mais on n'a pas trop le choix. Là, il y en a une. Elle m'a vu. Ok, et là, je cours. Ok. Ah, il faut pas que j'utilise la stamina à fond, en fait.
Si j'utilise pas la stamina à fond, je peux courir comme ça, même si elle est pas rechargée. Ok. Ok, ok. Ok, on en a 3, je crois. Hein. Ouais. Ah, mais ça met en pause. Ah non, ça met pas en pause. On en a 3, il nous en manque une. Alors attendez, la dernière, elle est où? Elle est là. Nick, espace. Vas-y, bats les couilles, je la prends. J'y suis, là, j'y suis. Ta gueule. Tu vas rien faire du tout. T'es qu'une victime. Si le jeu plante, je me branle en live. Jouer à 30 cm! Oh putain! Ok! Oh la blague! Bon bah comme ça vous avez vu deux fois la fin! Oh fuck! Putain! Voilà YouTube! Un gros jeu, hein. Un gros jeu! Heureusement que la démo durait que 30 minutes, j'espère que t'as kiffé, n'hésite pas évidemment à t'abonner, laisser le petit pouce qui fait plaisir, ou le pouce qui fait pas plaisir, hein, c'est à toi de voir. Si t'as aimé le contenu, attention, ne note pas le jeu avec le pouce, hein. Note mon contenu. Le jeu, tu le notes dans les commentaires, donc dis-moi ce que t'en as pensé. Des gros bisous, je me suis bien chié dessus quand même, hein. Des bisous.